Bonjour. Bienvenue à cette émission de Parlons motoneige. On est déjà rendu à la dernière émission de la saison. On tourne ça aujourd'hui sur le site du Grand Prix de Valcourt. On va vous montrer des entrevues, des images de ce qui se passe ici à Valcourt en ce 12 février. Les courses, il y a eu du monde, La température a été pas terrible vendredi, mais samedi puis aujourd'hui, dimanche, c'est parfait. Il y a du monde, c'est un grand succès. Parlons des sentiers de motoneige. À la date que je vous parle aujourd'hui, on est encore dans des qualités correctes. Il y a des accumulations d'eau par endroit. Faut être prudent, là. Il y a des places qui en ont un peu. On a eu un peu de froid, là. Il y a un peu de rétention. Malheureusement, on nous annonce encore une période chaude la fin de semaine prochaine, vers la fin de la semaine prochaine. Donc, je doute un peu qu'en fin de semaine prochaine, les sentiers demeurent ouverts, justement à cause de l'eau. Actuellement, les précipitations ne sont pas si abondantes. La semaine prochaine, on a du 5, 6, 7 degrés. Là, ça va faire du dommage. Après ça, probablement une autre période de froid. On verra si on part. Fait que restez à l'affût. Allez sur les sites Internet, les pages Facebook. L'information va vous être donnée là. Fait que je peux pas vous donner officiellement l'information pour la fin de semaine prochaine. La météo est trop incertaine. C'est sûr que, comme d'habitude, au nord du fleuve, ces choses-là, ça va fonctionner. Donc, on y va avec ça. On va écouter les entrevues, les podcasts. On va voir les coureurs. Fait qu'on regarde ce qui s'est passé ici au Grand Prix de Valcourt la fin de semaine dernière.
votre machine? Oui. C'est quelle catégorie? C'est la Sport Mode 440 pour le CVM au sommet Lac-Saint-Jean. OK, sur le circuit du lac? Oui, sur okay. le Lac-Saint-Jean, sur le CVM. Vous avez plusieurs courses par année? Oui, on a 4 à 5 courses par année au CVM au Lac-Saint-Jean. Plus celle de Valcourt? Plus celle de Valcourt. Celle de Valcourt est optionnelle. Okay. On vient par passion. On vient par passion parce qu'on a été invité pour une fois. Au 40e anniversaire du Grand Prix de Valcourt, on a été invité à venir courir. Et on a sorti notre nouvelle classe, fait qu'on a pu s'inscrire et venir courir. Ça va bien, date? En date, ça a bien été. On a fait une troisième position. On est très fiers. Mon copain ici, qui court dans la même classe que moi au Lac-Saint-Jean, a fait la première position. Okay. On est très fiers de notre performance. Bien, merci de venir avec nous. Félicitations. Un plaisir. Bonjour Sabrina, on s'est vu mardi pas dernier, tu étais fébrile, tu es venu nous voir ici, je t'en remercie encore. Là, je pense que tu as pas mal tout un week-end, hein? Oui, exact. Comme le début de saison, ça va super bien. Là, on a eu des belles qualifications, on a fini première dans deux qualifications, une deuxième, puis là, on est pas mal qualifié premier pour la finale. C'est comme hier, là, écoute, c'est une journée vraiment, c'est parfait. Hier, j'ai vu que tu as eu un bris mécanique, une courroie, je pense, puis regarde, ça fait partie de la game, là. Exact, c'est un bris mécanique qui était, tu sais, dans la finale en plus, c'était pas vraiment la meilleure place pour que ça arrive, mais écoute, c'est un bris mécanique, on y peut rien, puis aujourd'hui, on est revenu juste au temps fort qu'on était hier. Aujourd'hui, t'impressionnes tout le monde, là, j'étais tantôt dans les loges et le monde, ça crie, là, quand t'embarques. Puis là, je pense que t'as fait un faux départ, t'es reparti en arrière, puis t'es allé rechercher tout ça. Écoute, ça criait, là. Pas exact. J'ai fait un faux départ, je m'en voulais un peu, mais regarde, ça fait partie de la game, puis j'ai dit, on va essayer de la rechercher avec toi, puis j'ai poussé fort, ça a passé, fait que je suis... Ah ouais, t'as rentré ça. Ah. Écoute, le monde, il crie. En tout cas, peut-être que t'entends pas, t'as ton casque, t'as le bruit, mais écoute, t'es fantastique. Merci beaucoup, merci de ta générosité, puis je te souhaite merde pour la fin de la journée. Un grand merci. Bye-bye. Là, on rentre dans la section, on va dire, super professionnelle de snowcross. Vous allez voir les grosses remorques là, de coureurs. On va essayer d'aller en visiter une ensemble. Je suis avec M. Éric Legendre. Bonjour. 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 Vous venez de quel coin? De Rive-Sud de Montréal. Rive-Sud de Montréal. Vous avez un beau week-end ici à Valcourt? Oui, c'est super. La météo est parfaite aujourd'hui, puis les conditions sont belles, puis c'est un bel événement. Un bel événement. Puis vous, en course, ça performe bien? Ou... Oui. Moi, je fais le vétéran 30 pro. Nos finales, ils ont fini hier. Okay. Aujourd'hui, c'est repos, mais mon garçon, il roule en pro, le Émeric Legendre 144 avec Team Motorsport, puis ça va bien aujourd'hui. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Votre saison va bien? Oui, ça va bien. Approche-toi qu'on te voit. Oui, c'est mon frère jumeau. Ton frère, oui, OK. C'est Patrick. OK. C'est oui. Fait que, bon, ben c'est le fun. Puis c'est sûr que c'est le gros happening Valcourt. Puis c'est le fun de voir que vous avez aussi plusieurs autres courses dans la saison. Là. Oui. Techniquement, ça, c'est la troisième de la série. Il y en a compte 8 au championnat de la SCMX, au championnat québécois, là, l'association. Ici, il y a toutes les fédérations qui se rencontrent ensemble. Ah oui. Fait que ça continue après, puis on a une belle hiver. À date, ça va bien. Bon, ben merci de votre temps, puis on va vous dire merde pour le reste de l'hiver. Merci beaucoup. Bonjour. Au revoir. De Québec, âgée de 26 ans, le numéro 79, Supergirl, Sabrina Blanchard.
fois aux courses de Valcourt? Non. Ah, là, tu es habitué. C'est ma deuxième. OK. Ouais. Vous aimez ça? Oui. Une belle journée? Très belle. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Vous êtes toujours les bienvenus à Valcourt. Je suis avec Valérie. Bonjour, Valérie. Bonjour. Pas votre première fois à Valcourt? Non, ça fait quelques années. Mon garçon, ça fait plusieurs années qu'il vient ici. Là. Okay. C'est vos enfants qui courent avec en snowcross? Oui. Ils font le CMX, j'imagine? Oui, mon garçon, il est pro. Il est pro? Okay. Oui, ça fait plusieurs années que Samuel fait de la moto et du snowcross. Puis ma fille, c'est sa première expérience ici à Valcourt en femme. Puis elle aime ça? Oui, Renaud, elle prend de l'expérience, puis c'est nouveau pour elle. Là. Ils ont eu des bonnes courses? Oui, hier, ça a été des bonnes courses. Puis là, aujourd'hui, ils sont un petit peu blessés. Pas facile, la vie de coureur. C'est ça, exactement. Fait que là, c'est la fin de journée est difficile, maintenant. Bien, merci, puis on vous dit merde pour le reste. Merci. Merci. Je suis avec Justin. Bonjour, Justin. Salut. Tu viens de quel coin? De la Beauce. Tu viens de la Beauce? Je vois que tu as une belle machine. Tu dois suivre le circuit CMX, j'imagine? Oui, je le fais au complet. Puis je roule aux États-Unis aussi. Aux États aussi? Oui. Tu as une bonne saison à date? Oui, ça va bien. OK. Tu cours à quelle catégorie? Je course en pro light puis en pro. Puis en A, tu fais les deux? Oui. OK. Puis ici à Valcourt, en fin de semaine, ça a bien été? À date, oui, ça va bien. Ça va bien? Pas de chute, puis on... Pas de bris majeur? Oui. Bon, c'est ça qui est important. Puis, c'est-tu la chose la plus importante? T'as du plaisir? Oui. Ça, c'est important. Bien, bonne fin de course. Merci beaucoup. Je suis avec Tommy Roy, un grand champion de motoneige. Bonjour, Tommy. Bonjour. Tu cours dans quelle catégorie? 8-10. 8-10 ans. Puis là, on me dit que t'as fini premier. Oui. Pour ça que t'as le beau drapeau. Oui. Hey, félicitations. Merci. Écoute, t'es une machine de grand que t'as là. Oui. Ah oui? C'est pas ta première année? Non. J'ai commencé l'année passée à faire du 600. OK. À faire du 600. OK. Ouais. Avant ça, tu faisais des plus petits? Oui. OK. Donc, t'es un pilote d'expérience? Oui. Hey, c'est super. Puis, tu viens de quel coin? Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick. Ah, tu viens du Nouveau-Brunswick. Hein? On a de la belle visite. Hey, ben merci, bienvenue. T'aimes ça, Valcourt? Oui. Hein? C'est vraiment une grosse organisation. Ben, félicitations, puis merci pour ton temps. Merci. Bye. Bye. Première expérience à Valcourt? Oui. Oui? Ben, vous venez du Nouveau-Brunswick. Du Nouveau-Brunswick. C'est bien ça, c'est votre fils qu'on a interviewé. Oui. Puis l'organisation et tout, là? C'est génial. Grandiose. Beaucoup de qualifications, beaucoup de sportifs. C'est excellent. C'est excellent, hein? L'ambiance est fantastique. Extraordinaire. OK. Fait qu'on va vous revoir l'année prochaine. L'année prochaine, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Bien, merci, puis bonne fin de week-end. Oui, merci. Allô.
avec Marc Hugo. Salut, Marc. Salut. Tu viens de quel coin? Lillet, en bas de Montmagny. OK. Puis tu suis tout le circuit CMX, je suppose? Oui, je fais toutes les manches de CMX. Puis là, on a fait les deux premières, puis ça a bien été. J'ai remporté les deux finales, puis ouais, c'est ça. Ouais. T'es dans quelle catégorie? Pro-Light. Pro-Light. C'est-tu ta première année? Non, c'est ma deuxième hiver cette année. Donc, c'est probablement ta première hiver à Valcourt? Oui, c'est ma première fois que je viens ici à Valco, puis c'est bien le fun. L'organisation est vraiment hot, puis la piste est vraiment le fun. OK, oui, c'est ça. Tout le monde nous dit ça, c'est super. Fait que, puis là, en fin de semaine, ça va bien? Oui, bien là, hier, en finale, j'ai tombé au départ, mais sinon, toutes mes autres courses, ça a quand même bien été. Puis là, on se prépare pour la finale aujourd'hui. Bon, ben, on va te dire merde, comme dans toutes les choses. Fait que merci d'être ici, puis on se voit l'année prochaine. Yes. Merci. Un gros merci à vous. Ouais. On a des belles prises de vue ici à l'intérieur d'un atelier, remorque atelier de coureurs. Quand même beaucoup de commodités. On peut faire la mécanique. Il n'y a pas trop de problèmes. Il fait chaud là-dedans. Peu importe la température. On est à l'intérieur de l'atelier Warnet Racing. Un atelier vraiment professionnel pour le snowcross. Comme vous pouvez le voir, commandité par Makita. C'est votre première expérience à Valcourt? Non, c'est pas ma première expérience. On est venu plusieurs fois. Hein? Oui, on est venu. Mais moi, c'est plusieurs années. OK. Eux autres? Ouais, ils sont venus, ils étaient trop petits, puis ils faisaient bien fret. OK. Ils se souviennent de rien, mais là, ils vont se souvenir. Vous aimez ça? Ouais. Ah, t'as un bon spectacle, il y a toujours quelque chose. Mais il y a quatre différents événements. Ouais, tu sais, il y a du quatre roues, la moto, le snowcross, puis l'ovale en motoneige, tu sais, quand même. Puis dans chaque chose, il y a des catégories aussi, là. En plus, c'est des subcatégories. Vous avez vu la liste de ce qui se passe aujourd'hui? Oh, oui. OK, ben. Bienvenue à Valco, puis c'est le fun que vous ayez du plaisir. Ah, absolument. Merci. C'est-tu la première fois à Valco? Non, la deuxième fois. Puis donc, t'as aimé ça la première fois? Bien, la dernière fois, c'était pendant le COVID, fait qu'il y avait un peu moins de monde, là, mais okay. C'était bien amusant quand même. Puis là, passez un beau week-end. Oui, journée. Vraiment, la température est magnifique, puis c'est toujours le fun de venir ici. Bon, bien, merci. À l'année prochaine. Merci.
Comme je vous disais en début d'émission, c'est la dernière émission de la saison, un peu différente des émissions tournées en studio. On a fait ça ici en plein air, directement au Grand Prix de Valcourt. C'est un grand succès. J'espère que nos reportages vous ont plu. Je vous dis à l'année prochaine. La saison de motoneige n'est pas terminée. Il reste encore plusieurs semaines, sûrement au nord du fleuve, possiblement ici aussi. Soyez prudents, profitez-en, ça achève. Merci, à l'année prochaine.